Ok. Pouf, pouf, pouf. Bon, la chandelle, hein, comme d'hab. Allez, hop. Merde. Putain, ça reste à la chaud. Je vais y aller demain, 4h30 debout pour les bosser dans un entrepôt à 2 degrés. Eh ben, bon courage. 2 degrés? Ah. Bonne chance à toi. Merci. Fait bien froid. Et bon courage. Ouais, 2 degrés, pas agréable. Hein. Oh, ça grince dès l'entrée, non? On est d'accord? Ah, oui. Et j'ai trouvé l'os. L'os est par terre au niveau de la cuisine. Courant sous-sol. Courant sous-sol, impeccable. Dans la première chambre à gauche. Et les casiers sont disponibles au niveau du garage. C'est merveilleux. Et il y a une planque sous-sol aussi. Très bien, garage et sous-sol accessible. Nous avons trouvé le fantôme. Ah, je crois qu'il est dans la salle de bain tout de suite à gauche. C'est un cauchemar. On peut partir, bonne soirée. C'est l'enchaînement beaucoup trop vénère. Bon bah parfait, hein. Ça va vite. Il a pas d'or. Attendez, je suis pas sûr, mais il a... Et le courant n'a pas été remis, hein. Oui. Hein? Non, le courant a pas été remis. Et il a pas été remis. Il a recoupé. Bah si, moi je l'ai allumé. Ah bah il l'a recoupé. Ah, clenchage de porte. Tu as dit courant, c'était à la cave, c'est ça? Oui, c'est ça. Empreinte de main. Ok, regardez s'il y a un orbe du coup. Dans la salle de bain? Non, à côté. Ok. Ah oui, effectivement, il a coupé le courant. Je remis le courant. Alors ça peut pas être en tout. Clenchage de porte. Il y a une orbe ou pas? Ouais, de nouveau. Je sais pas, je vais te dire. Du coup, il est dans quelle salle? Couloir. Ou dans la chambre. Ok, je vais aller chercher les crucifix. Il faut faire une photo et assister à une apparition et échapper à une chasse. Donc c'est vraiment la photo le plus important. Ça m'étonnerait que ce soit au baquet si t'as eu un truc aussi rapidement. Je pense aussi, ouais. Enfin, ce serait bien de garder la lampe à portée de main pour... Ah bah, encore une trace, tu vois. Ouais. J'ai pris une photo. Je dispose d'une interaction 3 étoiles. Voilà. Toages. 3 étoiles. 3 étoiles. Bon, je vais mettre un encens là. Où comme ça, il couvrira l'entrée. Je vais mettre... essayer de faire en sorte qu'il apparaisse. Oh! Poltergeist! Oh, il m'a fait un super throw, c'était magnifique! Ah ouais? Ah oui! Allez hop! Bon, on valide les objectifs? Oui, il faut valider les objectifs. Oh là là! C'est rare qu'il fasse des trucs comme ça. Hein. On voit pas souvent, mais là c'était magnifique. J'ai vu le nounours tomber, les cubes se casser la gueule. Il y a tous les bruits qui à l'entrée. Tu as regardé ta vidéo là sur la chaîne, là où tu montes le super throw. Ouais. Effectivement, c'est impressionnant. T'as vu, j'ai essayé de mettre un ralenti avec des cercles rouges, mais ça va tellement vite et c'est tellement chiant. T'as même attends. Ouais, j'ai vu, mais c'était bien fait en vrai, on voit bien du coup. Au niveau du tracking, j'ai essayé de le mettre, mais putain, c'est chiant. Ouais, non, j'ai bien vu. Manifestez-vous! Comment il s'appelle? Carlos Chéline. Carlos Chéline, manifestez-vous! Carlos. Le calamar. Carlos. Je saurais pas savoir c'est quoi le fantôme. Je chercherais à savoir son ancienne vie en observant sa maison. Genre, ah, il prenait des douches, il dormait avec un chat, père de famille. Ok, c'est un spectre. Mais il y en a d'autres qui font ça. Hein. Il faut qu'on assiste à une apparition et il l'a pas fait. Carlos. Donnez-moi un signe. Carlos, toi. Attends, il est peut-être plus là. Hein. Carlos répare. Carlos. Il fait encore vachement froid dans la pièce. Hein. Il fait froid. Ok. Pas aller voir, hein. Parce que peut-être après un super throw, il se calme un peu. Ah, il fait clignoter. Il vient de faire clignoter, ouais, la lumière du salon. De la petite chambre aussi. Ah, ça craque ici, ouais. Ah. Donnez-moi un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Montrez-vous. On a peu eu d'ordre, on est d'accord. Êtes-vous? Et t'es où? Où est-ce que t'es? Pas d'ordre. Je vais refaire un tour, hein, mais. Oh! Non, mais il a clenché la porte devant là, toujours. Il a bien marché dans le sel, tout ça. J'aurais dû ramener des tableaux encore. J'aurais ramené une photo de chat. C'est une bonne idée. On a un bouquin. Il est peut-être passé à l'entrée, il est peut-être passé à l'entrée. Oui. Il est passé à l'entrée, je pense. J'ai l'impression. Ah non. Non, j'ai cru. Ça clignote de partout. Je crois qu'il fait plus froid ici quand même. C'est une boîte de nuit. Plus froid ici quand même. Ici, mais... Ouais. J'ai l'impression qu'il fait... Ah. Il fait des allers-retours. Possible. Ah, il t'allume la télé.
Je vais lui ramener une magnifique collection de chaussures. Des loups-boutins. Tiens, le chien de Gigic. Non, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Mais pas la attaque même, hein. Oh. Je l'ai eu ou pas? Non. Apparition. Putain, je l'ai pas eu. J'ai essayé de le choper, mais il a été très rapide. Ah, il est passé vite en même temps. Ouais, puis il est invisible en plus, ce bâtard. Eh, venez, 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 on le met dans le couloir, comme ça il se balade dans la zone de transition. Venez. Venez, on lui fait coup. Non, mais c'est marrant, vas-y. Faut, en fait, faut qu'il soit puissant avec plein d'items autour de lui, c'est ça qui le fait bouger, apparaître. Ah, je vais mettre un truc. Là, on fait notre petit. Eh, il a éteint la lumière, ce bâtard. C'est où que ça a clenché cette fois? Après, les poltergeists, ils errent beaucoup, par exemple. Parler de ça, c'est. Avec un poltergeist, ça a tendance à se balader pas mal, hein. On est en train de lui créer une bombe là. Ouais, non, mais je veux voir, moi je veux que ça explose. J'espère je que ça. Fasse super slow. C'est trop marrant quand ça explose. Jette des trucs. Mais ça fait vraiment une sorte de. Ah, là je crois qu'il chasse en bas. Là il chasse, ouais. C'est en bas, c'est ça qui a. Tout seul, ouais. Il arrive! Je suis mort. Non, c'est ok, il est vers moi. Ok, j'ai mis l'encens. Je suis arrivé complètement par hasard dans un casier. Ça n'a aucun sens. J'ai réussi à le prendre en photo. T'es safe. Oui, je. Non, je l'ai pas eu. Non, en pointe de pas. Putain, les photos là. Putain, par contre. Comment notre petit teint. Il arrive. Putain, ça se trouve, il l'a défoncé du coup en apparaissant. Putain, j'ai eu de la chance. Alors là, moi, je me voyais mourir. Hein. Tu l'as en santé en fait, heureusement. Ah oui, je l'ai. J'ai été sauvé par ton encens cette fois. Coup d'encens, ouais. Tu t'es rattrapé de la dernière fois. Je suis rattrapé. C'est beau, Jack. Une vie pour une vie. La dette est payée. Je vais retenter, hein. Au péril de ma vie. Il me reste qu'une photo. Hein. Vas-y. Je vais peut-être reprendre un appareil photo au cas où. On a de l'encens encore ou pas? J'en ai un sur moi. Il en reste un au camion, je crois. Il vient d'éteindre la lumière. Et tu vois, en fait, je crois que je fais la différence entre un fantôme qui éteint la lumière et un cauchemar. Le cauchemar, quand il éteint la lumière, il fait pas d'orbe de cri. Et la plupart des autres fantômes, quand ils éteignent la lumière, ils balancent un orbe de cri derrière. Attaque. J'ai pas l'appareil photo. Il pop derrière. Il est dans le salon. Ah, je l'ai en santé. Ah, ouais, pardon. On descend. Je vais mourir. Non, là. Trop tard. Mais non, t'es mort. Bah en fait, je voulais pas allumer la lumière parce qu'il allait me repérer, mais en fait, il était déjà trop près de moi, donc c'était mort. Même si je me mettais dans un casier, c'était mort. Bah, tout ça parce que je voulais une photo de lui, putain. Hey, tu passes ta photo? Bon, tu vas vite, hein. Ouais. Donc c'est marrant qu'il aille aussi vite, hein. Pour un poltergeist. Sait-on jamais? Il a arrêté. Mais nous, on veut de l'argent, donc on fait tout. Et prendre la photo de l'entité, par exemple, bah ça requiert de se mettre en danger. Hein. Ça, c'est une des preuves. Pas le choix. Pas le choix, faut y aller. Allez, Tommy, pour s'en sortir. Ah bah voilà. Il arrive. Sur demi-tour, triple salto arrière du le nounours, tu l'as dû le voir passer, mon gars. Oui. Attention, il te voit pas, c'est bon, il est parti faire joujou dans sa zone. Parfait, y'a plus d'encens, il faut que je le prenne en photo. Bah en fait là, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu te mettes au niveau de la cave. Ouais. Parce que le garage, c'est pas assez safe, la cave au moins t'es tranquille, tu le prends en photo, tu sais, d'en bas des escaliers, et tu files dans le casier après. Ah, dans le casier, pardon, derrière le machin. Là, il y en a un par terre, là, au niveau de ma lampe torche qui l'éclaire. Je crois qu'il reste des photos dessus, je suis pas sûr. Ah oui, là. Regarde s'il y en a. Une photo. Oh, ouais, donc c'est pas la bonne, mais du coup, il y en a un autre. Je crois, j'en avais pris un, mais j'ai eu le temps encore de crever. Attaque. Ouais, au moins, je meurs, mais je l'ai pris en photo. Mais toujours le point levé. Putain. Il a joué à cache-cache, mais il t'a forcé dessus. Mais il disparaît à ce moment-là, putain. Oh. Allez, je réaxe à toi. Allez, à toi. Tu l'as pas eu là, c'est ça? Ah putain. Ah non. Non, mais y'a plus de photos. Ah si, y'a à l'entrée, il en reste un.
Ah, allez, on peut plus en mettre sur le lit. Ah, c'est fini. Ah, ah, c'est dommage. Ah, tout le monde, tout le monde de casse-pipe. Allez, Jurax, on mourra ensemble. Que, effectivement, non, Coco a raison, ça sert plus à rien. C'est fini. Ah, oui. Ouais, super, part avec l'argent, allez. Ouais, c'est ça, ouais. En avant. En avant, les amis. L'instinct de survie est le plus fort, c'est ça. Non mais, en fait, je pouvais pas prendre plus de photos, ça aurait servi à rien. Elle a fait, non mais... Je pouvais pas y aller juste pour mourir avec vous. Bah si. Pourquoi? Bah non. Bah la solidarité, quoi. Bah ouais. Je choisis la vie. Ça marche. On est potes ou quoi, Franchement, t'es pas trop notre pote. Pas ce point-là non plus.